dans ce sujet ça là, je dis, nous allons parler de la dîme, les offrandes et les prémices. Ok, la dîme, les offrandes et les prémices. Ça qui fait très important pour nous parler de la dîme. La dîme, c'est 1%, excusez-moi, c'est 10% de revenus de tout chrétien que nous bâillons à l'église locale côté de marché. Les prémices là, c'est, c'est-à-dire que, et, par exemple, si nous avons un travail, nous avons dit premier chèque là, nous bâillons bon Dieu. Même quand on récolte, première récolte, on va bon Dieu de l'Ancien Testament. Et puis donc, ça c'est prémisse. Ok? Et je dis, il n'y a pas moins de première récolte maintenant. Parce que si on nouvelle au Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il y a une modification. La loi n'a pas aboli, mais elle a accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une modification faite là-dedans. Nous n'avons pas besoin de sacrifice, nous n'avons pas besoin de sang, nous n'avons pas besoin d'un kilomètre ou bien mille mètres qui est un chemin de sabbat, nous n'avons pas besoin. Camper dans gauche, camper dans droite, prendre sang, faire à gauche, faire à droite. On va besoin de parce que Jésus-Christ, non seulement, c'est sacrificateur, c'est sacrifice. Mais il y a des choses aussi de l'Ancien Testament qui étaient telles qu'elles. Par exemple, nous connaissons, nous te parlons déjà, il y a environ 600 lois dans l'Ancien Testament que tu dois observer. Et Galates 3, verset 10, dit nous, tout le monde qui va observer tout sacrifice de la loi ou sous malédiction. À proportion pour tout le monde. Ok? Maintenant, ça qui vient arriver là, il y a fort qu'on ait qui s'accorde réconcilier. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on vient pour nous. Donc, tout ça va dire là, on va venir dans notre étude que nous faisons déjà là. Mais je dis, nous allons parler de dîmes. Premièrement, nous avons besoin d'origine dîmes. Nous faisons lecture dans Esaïe, excuse-moi, dans Genèse 14, verset 17 à 24. Qui dit, Genèse 14, verset 17 à 24, dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor la Omer et des rois qui étaient avec lui. Abraham a fondé avec un autre roi de Kedor la Omer et des rois alliés qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ok? Et verset 18 du Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Non seulement, mais si c'est le roi dans Salem, mais il était sacrificateur aussi. Le Seigneur dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le Seigneur dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Cela dit que deux rois qui viennent rencontrer Abraham, l'elfine sorti dans la guerre avec qui. Et nous recommandons la chorale, il est qui donne la Omer et des rois l'allié. Roi Sodome n'a sorti, il va pas non, mais roi de Salem, non, qui met Melchisédek qui sorti, et Abraham, il bénit Abraham, et Abraham, il a dû parler bien avec Abraham, Abraham même va les dîmes de tout. C'est-à-dire, ça veut dire que si Abraham était sur 100 bœufs, il va les 10 bœufs. Il y a 100 cabris dans le butin, dans la saleté pour un groupe de sorti, et bien il va les dîmes de tout. Okay? S'il te prend 100 esclaves tout, il va les 10 esclaves. Donc, pour nous, c'est là l'origine de sortie. C'est-à-dire que c'était avant la loi, parce que la loi commence à Moïse. Abraham était là longtemps avant Moïse. Mais pour nous, ça qui vient de nous faire, loi ça, et principe ça, puisque bon Dieu honore l'île Kembel, les Moïse viennent dans la loi, Moïse viennent Kembel. Vous comprenez? Conseil de bagaille, principe. Bonjour madame, bonjour. C'est pas bon loi qui dit qu'on s'apporte marcher de tout le monde dans la rue. Mais puisque l'ordre dit que nous avons ça qui est une bonne séance, qui est une éducation dans la rue, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire bonjour, vous ne pouvez pas arrêter pour ça. Mais pendant ce temps, ouais bonjour, bon, et puis vous avez mais ça qui passe, puisque bon Dieu a approuvé, tout ça bon Dieu a approuvé, et mais bon, malgré le vin dans la loi, il vient entrer dans la loi. Et quand il y a là, ça qui est pour demander pour qu'on ait qui ça dans ce testament pour quitter, est-ce que je dis ça que tu as entré 10% ou à entré qui dans l'Ancien Testament pour le peuple de Dieu, est-ce que nous-mêmes l'Église nous besoin? Si nous besoin, nous besoin, mais si nous pas besoin, nous pas besoin. Mais puisque nous besoin 10% parce que son activité l'argent lié, nous besoin l'argent dans ce bas monde pour nous fonctionner, donc nous kembel. Parce que lui-même, liste des signes qui vient rapporter parce que Dieu, dans Jean 19, verset 30, Christ dit qu'il va abolir la loi. Il dit que ce n'est pas la loi qui finit, mais elle vient accomplir. C'est-à-dire, ça la loi, ça nous pas de café dans la loi, elle fait le bonheur. C'est comme si Christ vient vivre un partenariat avec nous, pas prendre toute bagaille, non. Lui vient dans lui-même, lui vient vivre un partenariat avec nous. Parce que bon minimum de force, bon Dieu, bah, si vous voulez prêcher l'évangile là, mais si vous ne pouvez pas monter sur net là pour prêcher l'évangile,
ne pas arrêter dans la chambre du Seigneur, faire l'évangile à rentrer dans tout le cœur, tout le monde. Parce que bon Dieu t'a déjà dit, moi ça, va chercher tes frères. Il était déjà bon mon commission dans Matthieu 28, verset 18, avait dit, allez prêcher partout, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est avec moi parce qu'il te promet tout. Premier disciple, dans le premier verset, il dit pas aller dans Jérusalem, il dit pas commencer à aller dans le monde à prêcher, sous pour que le Saint-Esprit en nous-mêmes, parce que quelqu'un qui a voulu visiter, il y a un mauvais esprit, on a voulu dehors pour confondre, nous ne pouvons pas parler, parce que l'autre parler là, on fait mon converti, mon connaît bon Dieu, on cache, et on a pas diable là, diable n'est pas content, mais il faut qu'on force nous-mêmes, il faut qu'on puissance. Mais à premier verset, il dit le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez mes témoins partout. Donc, on y a là, la Bible parle de dîme, qui ça dîme, c'est 10% de revenus. Sous pas travail, on nous fera de 10 dollars, on nous fera de 100 dollars. Dans l'église, quand on marche, on va prendre un enveloppe, on va marquer dans la donne, on va 10 000 by 10 dollars. Immédiatement, on va 10 dollars, pasteur avec comité ou avec les gens qui travaillent, on est pour recevoir 100 dollars pour ce maintenant, parce qu'on va 10 dollars et vous marquez 10. Clair. Et pas non prix, c'est non principe. Même j'ai un bon principe qui j'ai pour chasser des gens, même j'ai un bon principe qui j'ai pour mener la vie chrétienne pour aller dans le ciel, même j'ai un bon principe qui j'ai pour prendre le village pour pas bloquer. Et nous parlons de ça plus de fois. En nous, Lévitique 27, verset 30 à 34. Ça le dit. Lévitique 27, verset 30 à 34 dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartenant à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. C'est-à-dire que si je n'ai pas dîme dans mon pays le premier, je dis bon, je vais prêter le 2-3 mois le pays. Mais si là, non, va aller sous mettre la passe, c'est ce que c'est ce que ça n'a pas de problème. Mais si vous prenez dîme, vous prêtez pour aller faire commerce, ou du moins soit le vrai, bah, mon Haïti, mon équipe, mon dîme dans le goût, etc. Et bien, pour nous, on va venir faire là. L'homme, il est là, et vite 27, 30, 34, on va mettre un cinquième sous lui. Il dit, sous 1000 dollars, on va payer 100 dollars. Un cinquième, non, on va venir payer 120. Vous nous l'avez dit, mais c'est la loi. Non, ce n'est pas la loi, c'est le principe dîme, non. Et même l'autre, on va considérer comme la loi, ça va être aboli. Parce que Christ vient l'accomplir, il a dit qu'il fait partie, ou pas de fait sur la croix. Ou pas de café à le faire pour vous, mais c'est toujours un partenariat. Quand vivre à bon Dieu, les finances, les années, c'est partenariat. Bon Dieu, nous faut pas vous faire mes activités. Pour ça, bon Dieu, pas de faire la mer ou je le fais pour entrer. Pour ça, il dit Moïse, non, j'ai pas ton. C'est parce qu'elle voulait Moïse faire un mouvement. Vous comprenez? Et donc, c'est ainsi, c'est dîme. Parce que même ça que tu as fait dans ce testament, dîme dans tes vous sacrificateurs, pour les vieux, mais dîme dans les pour pasteur, pour les gens qui ont mené l'assemblée. Pas chaque monde qui a donné pasteur qui parle de dîme dans la main, mais pasteur qui dit qu'il a parlé de dîme, et nous parlons plus devant, parlons de question de dîme, des dîmes, et que pour lui, bye. Bon, offrande dans lui-même, pour nous parler tout dans plusieurs autres versets, offrande dans lui, par exemple, il par exemple, il y a 10 dollars là, il n'y a rien, bon, tout manger, tout à fait, et puis bon, il y a fait pour l'église là, pour une œuvre sociale, pour une œuvre haïti, il y a une offrande. Kaba bon offrande dans l'église, kaba bon offrande dans le mouvement communautaire, kaba bon offrande dans l'église catholique, dans l'église adventiste, moi a fond bagaille pour communauté a pour social là, kaba bon offrande monsieur musicien, quelque chose ça qu'a fait dans pays pour tout kaba offrande. Mais kaba offrande ça n'a parlé de offrande spirituelle, va faire des dons, des œuvres, ça rentre dans œuvres, mais dans don pour l'église, pour fonctionnement, pour les choses de Dieu marché, offrande. Ouais, différence ça. Si mon bail de yol va offrande. Il peut entrer dans les choses spirituelles. Mais comment entrer dans l'œuvre, vous bénissez très bien. On va faire dans la communauté, on va aller chercher dans le corps bout. Mais 10% on va retirer la dedans. Et si on retire la dedans, on gagne un cinquième pour nous. Bon. Exode 25, verset 1 à 3. Ça dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous le recevez pour moi de tout homme qui la fera de tout de bon cœur. Il n'a pas dit ça, ouais. Mais depuis l'Exode 25, verset 1 à 3, il faut faire de bon cœur. Il a dit que pour bénir dans l'offrande, non. Ce n'est pas un monde qui contraint tout, par exemple, tout qu'on a baillé, ma baille pour me faire, ouais. Non. De bon cœur, ou ouais, on nécessite là, ou baille, pour faire un travail, pour faire un développement, pour aider un monde, capable de faire passer à cadeau, capable de faire un monde qui, mon Dieu, mettait sous cœur cadeau, mais c'est entré dans le cadre de travail de Dieu. Verset 25, verset 1 à 3, dit l'Éternel par la Moïse, dit parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous le recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et après tout, toute santé, tout l'argent, travail, c'est bon Dieu bail. Ok? Et premier sang lui-même, premier fruit de la terre, ou tout le bétail. Dit que, ça veut dire que, ouais, non, même dans le dîme, non, on peut premier sang dîme. Alors, je vais vous dire, si je gagne 1000 dollars, je prends 100 dollars, c'est dîme. Ce n'est pas les fins fait tout à fait, mais reste 100 dollars, bétail. C'est pour les couper net. Il y a l'église qui tout prend direct, nous voulons un account direct, ça me prend même.
ou pas well. Là où tout le monde ou pas toucher 100 dollars, toucher 900. Et c'est pas une question de bailler l'argent qu'on a en carré, économiser. Bon, Dieu a fait un pile de grâce. Parce que Proverbe 21, verset 1er, on a un bon travail, on a fait un patron, on veut voter. Madame patron va voir, petit patron va voir, on va se faire des problèmes. Pourtant, mais là, on a encore, que ce soit jonté à bon Dieu, permettre qu'un beau, parce que son monde a petit Dieu. D'une façon ou d'une autre, bon Dieu, il y a plusieurs moyens pour le faire. Nombre 18, verset 8 à 28. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Attendez-vous, il y a Aaron qui est un sacrificateur. Tout ça, il y a pas vrai digne de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Il y a un sacrificateur. Et je dis, qui est qui veut remplacer le sacrificateur? Il n'y a pas de sacrifices bêtes, il n'y a pas de tuer, etc., des cérémonies, des 100 mètres, kilomètres de temps de sabbat, par vos spécifications d'un jour, actuellement, pour faire un travail, qui samedi, qui dimanche, tous les jours égaux, lui, 1er 75, c'est un machin devant lui tous les jours. Et Romain 14, 5, ou pour un samedi, l'autre, dimanche, l'autre, mardi, tout est égaux, par exemple, pas un petit service, pas un gros service, ni qu'il d'adoration, un service de prière, tout service, c'est service. Amen. Alors, dans Nombre 18, verset 8 à 28, là, ouais, que bon Dieu prend dîme non cobalé, il baille sacrificateur. Elle dit bon Dieu prend dîme non cobalé, il baille pasteur. Elle dit que lorsque l'église commence à marcher, commence à gagner membre, ou passer à pas à travail, parce que membre, yo son travail lié. Lorsque le marié, ou me dit, ou après, maman, il y a tel lèvre, ou mourir, ou de tel lèvre, dans tout ça, il y a pour faire pour déplacer, à prier à moun, à ranger problème pour la jeunesse, etc. On passe un dîme dans l'église qui gagne moun la donne. Il est droit pour le prier, pour l'aider, pour nous remplir forme pour le travail. Et ça, pour qu'on vienne au travail, retenez dans la prière, l'air délivré. Il faut qu'on prenne l'église, Hébreux 10, 25, pour prendre l'église, pour mettre tes pasteurs, pour mettre tes évangélistes, pour prendre l'église. Si on passe un titre, les chrétiens, ça veut dire pour prendre l'église, pour que nous nous au moins collaborer. Quitte pour ne pas travailler, pour ne pas travailler dans full capacité. Donc, pour supposer prendre l'église, et passer un titre, les adogues en revenu de l'église. L'église en a encore bien plus de monde, nous parlons plus devant que pasteur lui-même, il y a des dîmes pour le bail, il dit ouvrir le travail avec lui pour voir qui est qui bail en bagaille dans dîmes dîmes. Déjà, il dit des dîmes, si pasteur recevra 1000 dollars, de 10 à 100 dollars, pour nous aller retirer 100 dollars, pour dire tel, mais ça va prendre un cola, mais ça va dire des ouvriers quand même. Les ouvriers qui ont travaillé avec qui a travaillé, mais ils ont ravelé, ils ont requitté le bout de l'église. Mais son droit lié. Mais ce n'est pas vrai tout le droit, ou obligé de jouer tout le droit, parce qu'il faut garder la situation de l'église et tout. On est bien 20 minutes pour être capable de ne pas même dire qu'on passe l'église à deux et deux. Mais pendant ce temps, parce que ce n'est pas nous qui avons payé pour l'évangile, non, vous payez tant, vous avez madame, vous avez petit. Vous payez gaz, vous payez machine, montez, descendez, vous payez manger. Et pas l'évangile, vous payez l'évangile en gratis. Donc, Nombre 18, verset 8 à 28, qui dit que l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. C'est-à-dire, m'bo dit non, et m'bo ouyo, et m'bo autorité tout sur offrande. Je te les donne à toi et à tes fils, famille pastorale, ouais, comme droit d'option par une loi perpétuelle, une loi qui a duré. C'est ça que nous avons une portion accomplie. Qui ça qui s'accomplit? L'accompli portion que nous ne pouvons pas accomplir. Nous ne pouvons pas délibérer de péché tout le temps venir pour ton offrande. Nous ne pouvons pas offrir ça pour ton encore. Donc, ça veut dire l'obéi li ou bail li, dans le principe pour Dieu mettre dîme à jeune pasteur et famille. C'est ça le Dieu. Je les donne à toi et à tes fils comme droit d'option par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartient de la famille, les choses très simples qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons. Tous les sacrifices de qui va habiter, qui m'offre, sont des choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront, etc., etc. L'Éternel, bah, on lit dîme. Ok? Tout dîme, vous êtes capable de lire, non? Deutéronome 18, verset 8 à 28, ou après, côté le bail dîme, non? À Aaron qui était sacrificateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dîme est pour le pasteur de l'église. Très clair pour le pasteur de l'église. Si l'église a 20 pasteurs, l'église là, c'est 50 mounimiens, c'est 7, l'autre 14 pasteurs et l'autre 19 pasteurs papounaïens. Le pasteur titulaire là, parce que l'autre c'est aider la pédé, la dit mais qui ça vous fait, l'autre qui a le travail, etc. Mais il faut qu'on puisse libérer. Et si vous avez l'église qui a assez de membres, qui n'a pas libéré le pasteur, l'église en l'église en partage. Parfois, il y a un monde qui va combattre avec eux. La demande est tout en nuit.
bon Dieu bénisse, nous avons tout.